Il y a quelques jours, je vous publiais sur la chaîne une enquête intense et bouleversante que j'ai eu l'occasion de mener avec Johanna en février 2023. Cette aventure a été marquante dans notre parcours d'enquêteur du paranormal, mettant nos nerfs à rude épreuve. Et c'est avec beaucoup d'émotions et d'interrogations que nous avions quitté le château. Aujourd'hui, quelques mois plus tard, et avec le recul nécessaire sur ce que j'ai vécu, j'ai pris la décision de revenir sur cet endroit énigmatique. Et si je reviens ici, c'est accompagné d'une personne particulière qui va certainement m'aider à en apprendre davantage sur ce lieu et sur ce qui s'y est déroulé. Aussi, je ne peux que vous conseiller de bien rester jusqu'à la fin de la vidéo, puisque je m'apprête à vous dévoiler des informations inédites sur le château, qui ont été obtenues grâce aux recherches d'un abonné que je remercie encore pour son aide précieuse. Et vous verrez que ces éléments concordent étrangement en tout point avec les résultats que nous avons obtenus lors de notre enquête. Je n'arrive toujours pas à y croire, c'est incroyable. Alors installez-vous confortablement et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle exploration paranormale. Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Je me trouve sur un lieu où j'ai récemment tourné une enquête paranormale. C'est le dernier épisode qui est sorti sur la chaîne. Alors là, à l'heure actuelle, il n'est pas encore sorti et je suis de retour dans ce lieu. Vous allez comprendre pourquoi. Vous le savez puisque vous l'avez certainement vu sur la chaîne, puisque là maintenant il est publié. J'ai vécu des événements très étranges ici, très particuliers. J'ai donc naturellement décidé d'inviter une personne à venir visiter ce lieu avec moi ce soir. Je vais vous la présenter, c'est une personne que vous connaissez très bien sur la chaîne, vous allez voir qui c'est. Et juste avant de découvrir qui est la personne qui m'accompagne ce soir, laissez-moi vous parler du sponsor de cette vidéo. Mes enquêtes et mes explorations paranormales se terminent généralement très tard. Et pour être honnête avec vous, c'est pas toujours évident de rester en forme jusqu'au bout de la nuit. Et c'est justement là qu'intervient Oli, le partenaire incontournable de mes expéditions. Il y en a partout, hein, vous voyez. Oli est une marque qui propose des boissons énergisantes saines et aussi une gamme d'iced tea très variée. Il y en a pour tous les goûts. Vous avez juste à verser de l'eau dans votre shaker Oli, à la mélanger avec la poudre, n'oubliez pas de bien remuer, et voilà, votre boisson est prête. En plus de proposer des saveurs hyper bonnes, et surtout des boissons saines, sans sucre, sans taurine, ni sans autres ingrédients nocifs, Oli incarne des valeurs protectrices envers la planète, puisque un pot évite de jeter 50 canettes. C'est tout simplement énorme. Le meilleur moyen pour découvrir Oli, c'est de commander le pack découverte qui se décline en trois options. Vous pouvez soit tester la gamme énergie pour les boissons énergisantes, soit la gamme d'iced tea, ou soit un mix des deux. Je vous mets le lien de leur site dans la description et évidemment j'ai une offre pour vous. Grâce à mon code promo JRM5, vous bénéficiez d'une réduction de 5€ sur votre première commande, et grâce à mon autre code promo JRM, vous bénéficiez d'une réduction de -10% sur toutes vos autres commandes. Évidemment, je vous mets toutes les infos et le lien dans la description, et surtout les amis, si vous commandez, n'oubliez pas d'utiliser mes codes promo et mes liens, puisque ça permet de soutenir la chaîne, alors je compte sur vous. Merci encore à Oli pour leur soutien, qui m'a entre autres permis de pouvoir retourner dans l'hôtel des déportés. Et justement, je vous présente tout de suite la personne qui m'accompagne pour ce retour. Et c'est Elisabeth que j'ai retrouvée. Salut Elisabeth. Salut Rémi. Bon, je sais que là, je t'emmène. Je suis pas sereine. Je sais. Je suis pas bien déjà. On n'est pas arrivé, que déjà, je sens que ça va être... Intense. Quelque chose, ouais. Je pense que là, tu m'as encore envoyé dans un truc... Je suis désolé de t'avoir envoyé ici, non, mais écoute, je voulais trop ton ressenti, je voulais trop. Ah bah oui, mais déjà, rien que en arrivant, j'ai l'impression qu'il y a plein de monde autour de nous et qu'on n'est pas tout seul, tu vois. Et encore, on n'est pas arrivé dans le château, hein. Non, le château est au bout de l'allée, là. Et du coup, je me suis dit, il faut absolument que je commence à filmer maintenant pour avoir les ressentis d'Elisabeth, parce que là, c'est vrai que c'est très, très, très oppressant et très glauque. Regardez, on est au milieu de la forêt, là. On est en train de rejoindre du coup le château. On va continuer à avancer peu à peu. Et puis, n'hésite pas du coup à me dire si tu ressens des choses. Ouais, alors par contre, je vais sûrement beaucoup te demander si tu entends, parce que on peut entendre un phénomène qui est physique, que tout le monde peut entendre, et on peut entendre aussi, en tant que médium, des phénomènes que moi je vais capter. Alors à chaque fois, je risque de te demander, est-ce que tu as entendu? Est-ce que tu as vu? Est-ce que... Ok. Parce que j'ai pas de repère. Okay. En fait, moi, pour moi, tout ce que j'entends, je ne sais pas si c'est physique ou si c'est autre chose. Ok, bon, je te dis... Ne sois pas étonnée, je vais continuer à te dire, t'as entendu, t'entends. Là, tout de suite, j'entendais des voix. Ouais, tu me l'as dit juste avant. Ouais, à peu près... Alors toi, tu me dis que le château, il est vers la droite, mais il est vers la gauche. Ouais, il est à peu près, vers là, à peu près, ouais. Ok.
Bon bah allez, on va continuer. Du coup là c'est le noir total, on avance vers le château mais c'est vrai qu'on voit rien du tout, c'est super angoissant. Et je suis trop content d'être accompagné d'Elisabeth ce soir et surtout de retourner dans ce lieu parce que ce lieu m'a beaucoup marqué, vous l'avez vu, ça nous a beaucoup marqué avec Johanna. Donc là de pouvoir être de retour ici avec Elisabeth, c'est énorme, j'ai trop hâte de pouvoir rentrer dans le château. Il y a des bruits de partout. Qu'est-ce qu'il y a? Bah j'entends. T'entends des bruits? Regarde. Ça y est, on arrive devant le château. Ça va, Elisabeth? C'est hyper impressionnant. Ah ouais, c'est impressionnant. T'as vu? C'est fou, hein? C'est impressionnant, quand même. Hein. Putain. Je pensais pas que c'était... Colossal comme ça. Oui. Je pensais pas que c'était si énorme. C'est vrai que c'est énorme quand même. Hein. Non mais sérieux. C'est impressionnant parce que quand t'arrives, tu vois rien. Rien du tout. Tu vois rien et d'un coup tu et le vois. Et d'un coup, boum. Ok. Tu vois, moi je reste sur la gauche là. Ouais. Il y a des trucs à gauche. Parce que c'est un cube en fait. Ouais, c'est un cube, c'est ça, c'est un carré. Ouais. Et t'as déjà fait le tour? À pied, autour, ouais. Ouais. Écoute. Mais c'est... Ouais, franchement, c'est vrai, regardez. C'est vraiment quand même imposant. On vient donc d'arriver dans le château. Bon, premier ressenti du coup, Elisabeth, pour l'instant. Écoute, ça va. Ça va? Oui. Pour l'instant. Ce qui est important aussi d'ailleurs de dire, c'est que du coup, Elisabeth, tu n'as pas vu l'enquête que j'ai faite ici parce qu'elle n'est pas encore sortie. À l'heure où on tourne cette vidéo, mon enquête n'est pas encore sortie. Donc c'est ça aussi qui est bien, c'est que du coup, tu vas pas être forcément influencé par ce qu'on a vécu et je vais pouvoir voir aussi s'il y a des choses qui se regroupent, quoi. Et je connais pas du tout le lieu, puisque tu m'as dit il y a à peu près une heure qu'on venait ici. Ouais. Et j'ai pas vu le lieu de jour. Donc. Là, j'ai aucun repérage. Et tu découvres du coup le lieu de nuit. C'est ça, oui. Parce que tu aimes beaucoup me faire des surprises. Parce que tu t'es dit que sinon c'était trop simple. Exactement. Regarde, ici, ils ont dû faire une séance de spiritisme. Ouais, c'est vrai que là. Et là-bas aussi. Ouais, il y a dû avoir une séance de spiritisme, t'as raison. Il y a des bougies là. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelqu'un dans le fauteuil. Dans le fauteuil? Ok. C'est qui? Ça t'arrive à savoir si c'est un homme, une femme? C'est une femme. Une femme? Elle me dit, vous êtes venu ici, mais vous êtes bien protégé. D'accord. Et elle a raison, parce que d'habitude, tu vois, quand j'étais à Vos, je me suis pas du tout protégée. Mais là, compte tenu de tout ce qui se passe dans ma vie depuis quasiment un an, bah là, je me suis protégée, j'ai un bracelet avec moi. Elle est gentille, hein, ça va, c'est pacifiste, tout va bien. Mais elle a vécu ici. Elle me dit qu'elle a vécu ici avec ses enfants et ses petits-enfants. Et ça devait peut-être être une maison de famille à un moment donné. Il y a eu plein de gens qui vivaient ici. Mais ouais, elle est tranquille, elle est sereine, tout va bien. Mais elle me dit qu'il y a des gens qui sont venus ici il n'y a pas longtemps. D'accord. Donc tu vois... Ouais, il y a du passage, je pense. Ben, regardez déjà. C'est un lieu qui est fréquenté quand même assez souvent. Ouais. Bon, en tout cas, ça n'a pas été dégradé. Enfin, il y a eu du changement, du mobilier qui a été un peu bougé de place. Mais par contre, ça n'a pas été dégradé. Vous voyez, regardez par exemple cette belle cheminée. N'a pas été dégradée depuis notre passage. Donc ça fait plaisir. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire d'abord une visite comme ça. On fait le tour. On fait le tour, tu vois. Au moins, tu me dis un peu tes ressentis. Puis après, je sortirai un peu de matériel. Est-ce que tu crois pas qu'on devrait sortir le K2?
Ouais, bah, je prends le cadeau si tu veux. Ouais. Parce okay. que je pense qu'il y a quand même pas mal de passages. Bon, du coup, on a pris donc les cadeaux. Donc toi aussi, hein, tu as un cadeau. Voilà. On va voir et on va donc faire la visite avec Elisabeth. Tu vois, c'est assez impressionnant quand même, hein, cet escalier-là. Là, ça se gâte, tu vois. Allez, là, on est en train de monter aux étages. Et t'as vu, l'escalier, il est incroyable, hein. C'est fou quand même. Elisabeth n'est pas bien, les amis, elle est pas bien. Jasmin. Donc là, on rentre dans la chambre. Ouais, Jasmin. Tu vois, donc chaque chambre en fait a son nom de fleur. Attends, est-ce qu'il y a un truc qui bondisse là? J'entends des enfants. T'entends des enfants? Ouais. Attends, je suis perdue. Ouais, là on est pas venu ici. On est en train de faire l'autre partie là. Quelle partie? Je suis perdue. La partie gauche des escaliers. On va là où j'entends. Ouais, vas-y, vas-y. Ouais. J'entends rien. Ah bon? J'entends comme des enfants qui jouent. D'accord. Et qui ricanent, tu sais. Je croyais qu'il y avait une autre pièce. Non, il y a juste en fait la salle de bain. T'as rien? Non, pour l'instant, aucun déclenchement. On va continuer la visite. On a l'impression d'avoir... Bon, il fait chaud aussi. Hein. Ouais, il fait chaud. Super chaud. Donc ici, on est dans la chambre Muguet. Il y a un monsieur dans le fauteuil. Ah, il y a un monsieur ici? Il y a un monsieur ici. Ok. Alors, je sais pas si t'as déjà eu des prénoms ici. J'ai déjà eu un prénom, ouais. J'ai Raymond. Raymond? Ok. Raymond. Un homme plutôt âgé, du coup? C'est un homme âgé, ouais, qui doit avoir à peu près entre 70 et 80 ans. Il a été ici, mais avant-guerre. D'accord. C'est son château. C'est chez lui. Alors, peut-être qu'il a habité ici, mais j'ai l'impression que c'était une maison de famille. Ouais, c'est possible. Famille. Là, ce qu'il me dit, c'est qu'il y a besoin de repos. Donc, moi, je lui dis qu'on n'est pas là pour le déranger, que j'ai vu la dame dans le fauteuil en bas. Est-ce que vous pouvez essayer, s'il vous plaît, de déclencher l'appareil, le boîtier qui est sur le fauteuil? Alors, l'interaction, tu vois, qui te répond, il te demande comment tu veux que je fasse ça. D'accord. Je sais pas comment ça fonctionne, votre... Normalement, ça détecte le champ. C'est le champ électromagnétique, ouais. Donc en fait, il faudrait qu'il essaye de le toucher. Est-ce que vous pouvez essayer de le toucher? Ça, c'est complètement inoffensif, ça fait rien du tout. Et là, tu vois, c'est dans l'escalier. En fait, j'ai l'impression qu'il y a comme des enfants qui font, tu sais, comme un cache-cache, tu vois. Ils sont en train de faire un cache-cache. Ils sont dans une pièce, ils courent, ils vont dans l'escalier, ils montent. D'accord. Ça va un peu dans tous les sens. Mais je suis pas sûre que ce soit la même période. Ok, ouais, Je pense qu'il y a deux périodes. Monsieur, Raymond. Et on pose l'autre cadeau, parce que pour voir s'il n'y en a pas un des deux qui réagit. Et je pense que la femme qui est en bas, ça, c'est la même époque. D'accord, la même époque que Raymond alors. Ouais, que Raymond. Ne détecte pas. Ouais, bah après c'est vrai que... Il me fait comme ça. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je sais pas. Bah normalement ça marche.
Bah, après, c'est vrai que le K2, moi, il déclenche très rarement. Hein. C'est vrai. Très rarement. Hein. Alors, attends, on va peut-être essayer de le poser ailleurs pour voir. Les deux. Sur le lit. Hop. Et là, est-ce que vous pouvez les toucher ou vous en approcher? S'il vous plaît. Ah, c'est angoissant, c'est pas du tout la même chose qu'au château de Vos, quoi. T'as l'impression que c'est vivant. Ouais. T'as l'impression que les gens vont arriver, là. Je vais me coucher, s'il vous plaît. Moi tranquille, non. Nous sommes le service d'étage. On va juste voir si vous manquez un truc. Ah, alors par contre, j'ai entendu comme des bruits de pas derrière moi, là. Ouais, moi aussi. Ah, toi aussi? Oui, oui. J'ai les entendu, là. Ça passe vite, si tu veux. Ouais. Je sais pas si toi, tu sais, c'est comme de... ça piétine, quoi. Ouais, j'ai entendu. Comme des enfants, quoi. Donc tu vois, c'est... on a l'impression que ça veut jouer. Il est là. Oh putain. Elle est énorme en plus, cette chambre. Ah, t'as vu? Oh là là. Par contre, ici, tu vois. Je suis pas bien, là. T'es pas bien ici? Non. T'as entendu? C'était pas ton ventre à toi là par contre? Je te jure que non. Ah non, là par contre c'était pas mon ventre à moi par contre, vraiment. Ah bah y a eu une voix, j'ai entendu, c'était une voix comme une voix masculine alors. Ouais. J'ai cru que c'était ton ventre. Je te jure que non. Je suis pas bien là. T'es pas bien ici? Non. Je suis pas bien là. T'es pas bien ici? Non. Je suis pas bien. T'es pas bien ici? Non. Mais ici, je reste pas. Ah ouais? Non. Ça sent le... Ouais, ça sent une odeur particulière. Ça sent l'encens. Ça sentait pas ça quand on est venu l'autre fois? Ça, vous le voyez, c'est une grande suite, en fait. Pas psychoté, toi, parce que si on commence à... J'ai l'impression qu'on me touche, mais c'est des toiles d'araignée. Ouais. On va peut-être revenir... Peut-être qu'on reviendra, mais... Celle-là, je sens pas. Tu sens quoi, exactement, là-dedans? En fait, dès que je rentre, je me sens oppressée. Et c'est comme si on m'envoyait, si tu veux, une énergie pour pas que j'entre. D'accord, on t'as rien à faire là. Ok. Tu t'en vas, tu nous laisses. Et pour moi, il y a une énergie masculine dedans. Et j'ai une odeur d'encens. Alors peut-être que quelqu'un a fait brûler de l'encens aussi, on ne sait pas. Hein. Oui. Mais c'est les odeurs qu'on a qui sont assez fortes quand on a des entités qui sont pas. Ah d'accord, je ne savais pas que ça pouvait se manifester en odeur. Si, on peut avoir des odeurs comme ça, très fortes. Pour nous faire comprendre que c'est bon. Ok. Laisse-moi, quoi. Donc je vais pas rentrer en conflit. Je pense qu'on a eu un PVE. Oui, j'ai entendu. Bien clair. Donc on n'est pas là pour déranger qui que ce soit. On va pas le déranger. Mais je pense qu'il y a un homme dans cette pièce. Ok. Je suis choquée parce que je pensais que c'était ton ventre. Je te jure que c'est pas mon ventre. Ouais, non, mais je te crois. C'était hyper clair, du coup. Quand c'est mon ventre, je le dis. C'était hyper clair, alors je pense... Mais c'était juste derrière toi. Oui, c'était très proche de moi, ouais. Et je me suis sentie dans l'inconfort tout de suite en rentrant. D'accord. Donc ouais, on va pas la déranger, on n'est pas là pour déranger. Rien du tout, on va peut-être refaire le tour, on reviendra. Oui, on reviendra. T'as jamais eu de ressenti particulier dans cette chambre? Je ne pense pas, non. Non. Te voilà encore ça à parler. On va continuer. Ouais, on va continuer. Après, je pense qu'il faut pas que je me... Je pense qu'il faut pas que je m'affole. Il faut pas qu'on s'affole, parce que sinon ça va. Toi, tu nourris en fait le truc. Ouais, je pense que quand tu commences à perdre pied. Ouais, tout à fait. Ouais. Par contre, je sais pas du tout où est la sortie.
C'est un labyrinthe. C'est pour ça que, oui. Voilà, pour l'instant, comme je vous l'ai dit, on fait une première visite avec Elisabeth, et puis après, je vais essayer de moi aussi interpeller et de leur dire que je suis déjà venu ici. Bon, de toute façon, je pense qu'ils le savent, mais voilà, je vais essayer aussi de provoquer un contact. Pour l'instant, on se concentre sur la visite et sur les ressentis avec Elisabeth. Donc là, on arrive au deuxième étage. Est-ce que déjà, tu ressens quelque chose de particulier par rapport au premier ou pas? Non. Écoute, ça va. Je suis pas mal, là. Ouais. Ah mais il y a encore. Il y a encore, c'est le grenier. Ah oui. Je n'étais pas allée pendant l'enquête. Hein. Ouais. On va y aller, je pense. Tu crois? Ouais. Je suis pas sûre. Je crois. Tu veux pas y aller? Vas-y, filme ça, regarde. Tu veux pas y aller, qui me dit? Tu veux pas y aller? Là, tu vois, comme ça. Je suis pas sûre. On va y aller, tu vas voir, tu vas bien aimer. Ouais. Alors ici, c'est ici où il y a eu très souvent des bruits de pas. Dans les pièces vers ici. J'ai une voix, là. Hein? T'as un PV, là. Gardénia? Gardénia. Alors, j'avais les un plan fixe ici l'autre fois. Alors. Faut se faire violence, hein. Là, tu vois, il y a une voix. Enfin, je sais pas, c'est une voix féminine, je pense. Ouais. Qui me dit qu'il y a eu des personnes à venir s'amuser ici. D'accord. Il y a un problème là. Qu'est-ce qu'il y a? Allez, je sais pas d'où ça vient. Je suis un peu désorientée. J'entends parler. Bonsoir. Je me sens assez bizarre là. Ouais, je me sens pas non plus. En fait, j'ai l'impression, si tu veux, que je suis dans une pièce où il y a plein de monde. Pas même sur ma main. C'est comme si on voulait m'embarquer. C'est comme s'il y avait des gens qui étaient cachés dans les coins. C'est comme s'il y avait des gens qui avaient été enfermés et cachés dans des coins. Tu vois, quand je dis ça, j'ai des frissons. Il y a des caches dans ce château. Par rapport à ce que t'as dit, donc il faut pas oublier qu'ici, il y a eu des personnes qui ont été enfermées en fait ici en attendant d'être déportées. Donc j'imagine que c'était pas facile et que peut-être ils se cachaient ou quoi. C'est peut-être ça que tu ressens, je sais pas. Bah, si tu veux, j'ai l'impression que on est à l'intérieur, on est caché, mais on essaie d'échapper. Alors c'est comme si on avait enfermé effectivement quelqu'un ici, mais c'est comme un lieu de transit. Donc ouais, en fait, ça. Faut pas les retrouver dans le château. Okay. Donc je pense qu'une fois qu'ils étaient enfermés ici, ils essayaient. Gardénia, ça a parlé encore. D'accord. Peut-être qu'ils essayaient justement de se cacher. Oui. Pas oui. Être envoyés ailleurs, en fait, c'est un peu ça l'idée. Mmh. Et dans la pièce, là, attends. Non, ici, rose. Donc dans la chambre rose, ok. Dans la chambre rose. J'ai comme s'ils étaient tous cachés dans des coins et ils essaient tous de trouver des solutions pour pas partir. Parce que je pense qu'ils savent que... Ils savaient, ouais, qu'ils étaient... Encore?
Donc, mais je vais parler parce que peut-être que le fait de parler, tu vois, ça va provoquer quelque chose. Donc, je pense qu'il y a des femmes aussi qui ont dû s'occuper des enfants quand les enfants étaient ici, mais c'est pas leur mère. Hein. Il y a peut-être des femmes qui étaient obligées de s'occuper des enfants. D'accord. Comme si c'était du personnel qui devait gérer les enfants. On parle de transfert. Donc, on reste pas là longtemps, en fait. C'est okay. Vraiment un lieu de passage. Presque un lieu de stockage, je vais te dire. Dans la chambre Gardenia, j'ai une femme. Je pense que c'est une des femmes qui a dû s'occuper des enfants. Parce que elle est dans une énergie de colère, un peu. Tu vois. Donc, elle est pas... C'est pas la même énergie. Je sais pas si tu peux sentir ça. D'une pièce à l'autre. Oui, effectivement, par contre, ça oui. Oui, je suis d'accord. Que c'était pas la même ambiance. Si tu ouais. Par exemple, tu vas dans la chambre de Rose, enfin, la chambre Rose, pardon, c'est plus agréable. Gardenia, t'as l'impression que c'est. Il y a plus de colère tout de suite. Ouais. C'est pas pareil. Ici, il y a quelque chose, mais ça parle pas. Lavande. Dans lavande, ok. Et... C'est peut-être observateur hein, pour l'instant, mais en tout cas, à moins qu'on ait des PVE après, mais. Et tu disais, du coup, la femme, t'as l'impression qu'elle garde des enfants, c'est ça? En fait, j'ai l'impression que... C'est bizarre, hein, ce que je vais dire. Mais j'ai l'impression que ces femmes, elles ont été forcées à s'occuper des enfants. Leur rôle, c'était de garder les enfants, d'être tranquilles, tu vois, le temps qu'ils soient là. Parce que, ici, bon, ce que tu ne sais pas, du coup, c'est que ça a aussi servi de colonie de vacances. Après ça, justement. D'accord. Pour les enfants. Ah oui? Ouais. Ah, c'est drôle. Ah, mais ils sont pas morts, les gosses. Non, justement, c'est des colonies de vacances pour les enfants des personnes qui ont... Ouais. Voilà. D'accord. Les orphelins, tout ça, quoi. Et ben, c'est cette femme-là, qui est dans Gardenia, on a l'impression qu'elle est en colère contre elle-même parce qu'elle a sûrement fait des trucs qui étaient pas bien, tu vois. Ok. Donc, je pense que c'est pas la même époque, hein. Je pense que je resterai sur certainement une époque antérieure. Parce que si je capte les enfants, si c'était une mémoire, admettons, résiduelle, ça peut être ça. Il y a eu des enfants dans un lieu, donc y a oui. Ça s'est imprimé, si tu veux. Mais moi, comme je les capte, pour moi, c'est des enfants qui sont décédés. D'accord. Donc, il y a certainement eu des enfants qui sont passés ici. Oui, bah, dans ceux qui ont été enfermés ouais, voilà. Parmi les juifs, il y avait 52 enfants quand même. Comment? Il y avait 52 enfants enfermés. Il y avait 52 Oui, 172 juifs, dont 52 enfants. Non. Ah non, non. Il y avait 172 juifs enfermés en attente d'être déportés. Il me dit ça quand je suis au deuxième étage. Ouais. Et dont 52 enfants qui ont été déportés en Allemagne. Donc qui ont été stockés ici. Ouais. Donc en fait, ça colle. Eh ben, je pense que c'est cette femme-là qui a dû s'occuper de tous ses enfants. Il devait y avoir des femmes qui étaient forcées de le faire. Et je pense que cette femme qui est dans Gardenia, là, elle n'est pas sereine parce qu'elle s'en veut terriblement de ce qu'elle a pu faire. D'accord. Mais c'est un peu comme si elle n'avait pas le choix, mais tu vois, il y a cette énergie de colère là qui n'est pas... 52 enfants. Ouais. 172 personnes, dont 52 enfants. Et 160 personnes, mais comment tu m'as vu? Ben, ils étaient enfermés ici. Ils étaient entassés, quoi. Ben oui. Ils étaient 172. Oh, ça me... Ah, tu m'étonnes qu'il y ait des énergies un peu en colère. Ouais. Ok, et eh bien tu sais quoi, alors là il faudrait se renseigner, ça serait intéressant de voir. Je suis pas de religion juive, mais... Oh putain, j'ai des frissons quand je dis ça. Je sens un froid là. T'as senti? Pourtant il fait hyper chaud. Hein. Il fait 40 degrés. Il fait 40 degrés, on est en pleine canicule. Un vent glacé qui est arrivé, de religion juive, je finis ma phrase. Est-ce que dans certaines... rites, dans certains rituels juifs, on utilise des encens particuliers, etc. Parce que peut-être que ça expliquerait pourquoi ça sent autant l'encens dans une des pièces. D'accord. Peut-être, hein, je sais pas. Faudrait, là, je connais pas, hein, je peux pas te dire, mais... Tu passes ici dans le courant gelé, quoi. Ouais, c'est ça, alors qu'il fait hyper chaud, quoi. Il fait, je sais pas, il doit faire 33, 34, quoi. C'est incroyable. Et on est surveillé. Ouais, je le sens. Tu sens? Ouais. On nous regarde de partout. On nous observe. C'est pacifiste, hein, mais... Est-ce que, du coup, tu as cette sensation
comme tu avais à Vos dans la galerie des portraits, qu'on se jette un peu sur toi. Non. Ou pas? Non, tu l'as pas. C'est à Vos, il y avait cette menace-là où on cherchait en fait à me provoquer. Tu sais, c'est un petit peu, on cherche à me provoquer, à me faire peur. Ouais. Là où je me sentirais pas trop bien, c'est la suite, là, c'est Gardénia, on a dit. Ouais. Je pourrais y rester quelques secondes, mais je me sentirais obligée de sortir au bout d'un moment. Par contre, la chambre, je crois que c'est au deuxième. Je sais plus ce que c'est, mais ouais, je vois laquelle c'est. C'est tellement grand. C'est tellement grand, je retiens pas les noms, mais je vois laquelle c'est. Ouais. Mais en bas, là, à mon avis, il y a un truc. Ouais. Là où on a entendu la voix masculine. Ouais. Ok, bon, on va y aller tout à l'heure. Ouais. Je serais même pas étonnée, tu vois, que ce soit une voix allemande. Ah, peut-être, ouais. Ouais. Ok. Tu sais, il y avait un... C'était un ton, tu sais, c'était un peu comme si on te donne un ordre. Ouais. Attends, mollo quoi. Qu'est-ce que tu en dis qu'on aille, on y va. Au grenier. Au grenier. Au grenier. Bah, allez, on va aller voir. On y va. Je suis pas allé en plus, moi, pendant l'enquête. Bah là, on va tous découvrir ensemble. Tout comme au sous-sol, d'ailleurs. C'est pour ça que je compte y aller tout à l'heure avec Elisabeth, qui a peu... Oula. Non, c'est toi qui as bougé la porte. Non ? Je crois pas. Tu l'as pas senti ? Non. Bizarre, surtout qu'attends. Oui, c'est ça qui fait du bruit. Mais elle peut pas. Elle peut pas bouger seule par contre. Hein. Surtout qu'il n'y a pas du tout de courant d'air dans le lieu. Ça veut peut-être dire qu'il vaut mieux pas aller au grenier. Tu crois ? Franchement, j'ai envie d'y aller, je te jure. Allez, on fout la médium dans le grenier. Non ! Écoutez ce qu'il dit. Hein. N'écoutez pas ce qu'il dit. S'il vous plaît. Non mais je rigole, mais bon. Oh ! Mais... Non mais attends, tu l'as pas touché là ? J'ai... Non, c'est le parquet. C'est bizarre. Attends. On refait. Vas-y, ouais. Ok, vas-y, marche. Ah non, mais regarde. Non mais attends, mais marche pour voir. Ah oui, ok, c'est toi, c'est le parquet. Moi, regarde, puis il y a un truc. Oui, non, mais c'est le parquet en fait. Allez, on va monter au grenier. Oh, putain, c'est grand, c'est. C'est flippant là. Ouais. Il y a des bruits de pas. C'est très flippant ici quand même. Je serais curieux de savoir si ici t'as un ressenti de savoir s'ils ont enfermé des. S'ils les ont enfermés aussi ici. Ah oui. Ouais. Ouais. Ah bah je te certifie que. Ok. Il y a des bruits dans tous les sens. Ouais. Et là du coup en haut ça mène à la verrière. La verrière. Il y a une verrière, ouais. Ah ouais ? Ouais. Ça fait une espèce de clocheton tout en haut du château. Un dôme ? Avec voilà, comme une espèce de dôme mais carré. Et il y a une verrière. Ouais. Oh, c'est fou. Mm. Mais tu vois, c'est pas ici que. Bon, je passerai pas la nuit, hein, mais. Ouais, c'est pas le pire endroit du château, non, quoi. C'est pas là, tu vois, où. Ok. Bon, on va redescendre. Non. Je ne me regarde pas comme ça. Niette. Ah non, je descends pas là-dedans. Ah non, il y a plein de bêtes, Rémi. Allez, vas-y, descends. Allez, on descend. Les amis, je suis en train de mettre vraiment Elisabeth dans une mauvaise place, tu vois. Tu vas voir que c'est immense, les sous-sols. Ouais. Tu vas voir que c'est immense. Bon, déjà là-bas, je sais pas ce qu'il y a. Bah, il y a des gens qui sont morts. Ouais. Tu ressens là Ouais, j'ai un coup dans le dos. Là, c'était quoi? Ah oui, c'était une cave à vin, là. Ok. Ah, merde. Il y a des gens qui ont été tués. Hein. Tu ressens des gens qui ont été tués? Ouais. Ah, tu vois. C'est ce que j'ai entendu. Apparemment, il y aurait eu des personnes exécutées ici, au sous-sol. Hein. Ouais. Ah, oh, je vais être malade. Je respire. Ouais.
des gens qui ont été tués ici et il y a une partie en terre là. Ouais. Je pense que y a... tu creuses là, il y a un truc. Hein. Ah ouais? Et j'ai un bruit, j'ai comme du feu. On a brûlé des, corps ici. D'accord. C'est, j'ai l'impression qu'on balance des corps. D'accord. Mais comme si c'était, tu vois. Mm. Donc pour moi, le point chaud ici, c'est l'autre côté. Là-bas. Ouais, c'est pas ici, c'est okay. Là-bas. Ben, je pense que là-bas, par contre, c'est plus récent. En fait, ça communique. Je sens. Oh putain, j'ai mal au dos. Non, ça communique pas, mais. Bah, si ça communiquait, il y a quelque chose ici. Parce que ici, on rentre. Ah, donc ouais, dans le temps alors. Et en fait, on rentre et on part là. Et je pense que il devait y avoir une. Un, je sais pas, on brûle des corps et tous les restes sont mis là-bas. D'accord. Ça m'a un petit peu. Un peu traumatisé là. La cape? Ouais. T'as des morceaux de corps. Ah ouais? Ouais, parce que oui, toi t'as. Qui brûle. C'est comme si on envoyait des corps là, on les brûlait là. Ouais, moi j'ai les flashs. Hein. Ouais, ouais. Tu te sens quand même qu'on aille dans une chambre ou pas? T'as quitté le lieu? Je veux bien qu'on aille dans une chambre. Ouais. Mais je pense qu'on va pas s'éterniser quoi. D'accord. C'est quoi ça? Une bête. Bah, c'est bizarre. Attends. C'est un coq. C'est un coq. À 2h du matin. C'est un coq cassé. À 2h du matin, un coq. Il est cassé. Il croit qu'il est 5h. Un coq à 2h du matin. C'est bizarre. C'est quoi ce pays, quoi? J'ai 40. Il y a des coqs qui chantent à 2h du matin. Il y a des gens enterrés dans la cave. Je suis sensible, moi, tu sais. Je suis hyper sensible dans la vie. Hein. C'est un coq. Ouais, ouais, c'est un coq. Incroyable. Un coq cassé, quoi. Bon. Bon, ce que je te propose, c'est qu'on remonte. Et qu'on interpelle, peut-être. Ouais, voilà. J'aimerais bien un peu interpeller, quand même. Ouais. Ben ouais, parce qu'on n'a pas fait. Ben, on l'a pas fait, c'est ça. Donc ça vaudrait peut-être le coup ouais, d'aller dans une chambre et ouais. De... C'est bizarre ce coq qui gueule comme ça maintenant. À 2h du matin. Puis il se rapproche, non? Ben oui, on dirait qu'il se rapproche. C'est bizarre. Ouais. Mais il est hyper proche en fait. C'est possible. Il n'y a rien en plus là. Dans cette direction, c'est les champs. Il y a des coqs sauvages. Putain, on s'est attaqué par un coq. Ça existe les coqs sauvages? Je ne m'y connais pas. Un coq. C'est bizarre. De toute façon, c'est un coq mort. C'est l'esprit d'un coq. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Je ne sais pas. Bon les amis, on est dans la chambre Lila. C'est ici du coup que Elisabeth tout à l'heure s'est sentie plutôt mal et n'a pas réussi carrément à rentrer dans la pièce. Là t'as encore cette sensation du coup de... Que t'es pas la bienvenue ou pas? Je suis pas sereine en fait, tu vois, donc je marche, je reste pas statique parce que je vois qu'on s'approche de moi. Ok. Et y a un monsieur dans la chambre. Ouais. Qui est très en colère. Ah, il est très en colère. Ouais, on d'accord. Est dans une énergie de colère. De colère, ok. Tu vois, si je me concentre sur ce qu'il me montre, ouais. J'ai l'impression qu'il casse tout.
D'accord. Il casse les meubles, il casse tout ce qu'il y a dans la maison. Donc, j'ai mon cœur qui bat très très vite. Ok. J'ai l'impression, tu vois, que moi, c'est comme si j'étais en poussée d'adrénaline alors que j'ai rien en fait, il se passe rien, mais je capte ses émotions à lui. D'accord. Ok. On va essayer d'interpeller ici, du coup, et je vais essayer aussi de dire, ben voilà, je suis déjà venu, etc. Peut-être que ça peut provoquer un contact, susciter quelque chose, on va voir. Une réaction, quoi. On est donc désormais dans le noir total. On a éteint nos lampes. Bonsoir. Ça fait donc plusieurs minutes qu'on s'est permis donc d'entrer dans le château. Je suis pour ma part déjà venu ici il y a plusieurs mois avec mon amie Johanna. Nous étions venus ici pour essayer de dialoguer avec vous. Je ne sais pas si vous vous rappelez de moi. En tout cas, ce soir, donc, je suis de retour ici puisque je voulais faire découvrir le lieu à Elisabeth qui m'accompagne donc ce soir. Elisabeth qui est donc une médium. C'était important pour moi de l'amener ici parce que c'est vrai que j'ai eu beaucoup de ressentis et nous avions eu des phénomènes assez stupéfiants. Si vous voulez vous manifester ce soir, eh bien n'hésitez pas. Je suis donc avec Elisabeth qui peut pourquoi pas déjà vous ressentir et pourquoi pas essayer d'avoir des échanges avec vous. Si vous avez un message à faire passer, si vous voulez vous manifester en fait tout simplement. Vous pouvez donc faire des bruits ou alors nous parler. On a entendu une voix d'homme tout à l'heure. Alors s'il y a un homme ici, n'hésitez pas à nous faire un signe dans la pièce si vous pouvez, un bruit, un déclenchement d'appareil, ou alors une autre manifestation de votre choix, ce que vous pouvez en tout cas. J'imagine que c'est pas simple, mais si vous pouvez essayer de nous montrer que vous êtes là et que vous êtes d'accord pour communiquer avec nous, n'hésitez pas en tout cas. Est-ce qu'il y a un homme en colère ici? Est-ce que vous êtes en colère? Tapez contre une porte, contre un mur, contre un meuble, si vous êtes en colère. Non, je sens. Enfin, je sens l'odeur de la pièce, mais pourquoi tu sens quoi? Je sens un parfum là. Ah, un parfum? Oui. Non, je sens pas. C'est un parfum comment? C'est floral, c'est agréable. D'accord. Est-ce que vous vous rappelez de moi? Quand je suis venu ici il y a plusieurs mois, est-ce que vous vous rappelez? Pouvez-vous me répondre, s'il vous plaît? Je pense que l'homme qui est ici, ouais. Il est mort dans la chambre, il s'est pris une balle dans la tête. Ah!
Mais c'est à quelle époque ça, du coup? Pendant la guerre, je pense. Donc il serait mort dans cette pièce là, du coup? Ouais, ici, ouais. Alors après, je sais pas ce que c'était avant, du coup, parce que bon, après ça a été tout. Tout remanié. Bah, ça, en fait, la décoration, enfin, le. Tu sais, moi, quand je me concentre sur l'énergie en fait que je vais avoir, ouais. Ça ressemble pas à ça. Ouais, oui, oui, c'est pas comme ça. En fait, c'est un bureau. D'accord. C'est un très grand bureau. Il y a une table, il y a une très grande table. Et je pense que derrière toi, il doit y avoir une fenêtre dans le coin derrière. Je sais pas si... Oui, il y a deux fenêtres, ouais. Ouais. Il y en a une là et une là. En fait, l'image que j'ai, c'est que j'ai quelqu'un qui est de dos. Donc un soldat, parce que j'ai un costume. J'ai quelqu'un qui est de dos et qui est en train de regarder dehors, en fait. Et j'ai une femme qui arrive et qui lui tire une balle dans la tête. D'accord, donc là... Donc je pense qu'il y a une des femmes qui a dû essayer peut-être de se rebeller, tu vois, par rapport à ce que je te disais au troisième, au deuxième étage. D'accord. Est-ce qu'il n'y aurait pas une femme qui a essayé de sauver des enfants, en fait, ou essayer de faire quelque chose, de se défendre, et elle a voulu tuer ce... D'accord. Cet Allemand-là, et elle l'a tué, il a pris une balle. Il a pris une balle. Donc tu penses que c'est un Allemand, du coup ? Oui, pour moi, c'est un soldat allemand qui est mort ici. Ce qui expliquerait, du coup, la colère aussi. Que tu ressens, quoi. Et la colère, ouais, que je ressens, c'est comme si on... Mais c'est vrai que la voix qu'on a entendue tout à l'heure, qui, je pense, sera enregistrée, oui. C'était vraiment d'un ton sec, hein, c'est vrai. Mmh. Très autoritaire, ouais. Mais ici, ça devait être un bureau allemand. J'ai l'impression qu'on s'est regroupé ici, qu'on a pris des décisions, qu'on parlait. Tu vois, c'était le lieu où on discute, quoi. D'accord. Mais par contre, ça ressemble pas du tout à ça. Eh oui. Mais c'est vrai que c'est fou quand même de se dire qu'on se retrouve dans un lieu où il y a eu quand même des atrocités pareilles, où ils ont enfermé autant de personnes. Donc forcément, ben, les personnes étaient désespérées, savaient qu'elles allaient mourir. Donc en fait, toutes ces énergies-là, c'est... Forcément, ça ne peut que rester, quoi. 172 personnes qui savaient qu'il y a... Qui... Après, ce qui... enfin, j'ai la sensation, moi, si tu veux, que c'est vraiment un lieu de passage. Ouais. C'est-à-dire qu'on les stocke ici, après, on les envoie ailleurs, tu vois. Mmh. Je pense qu'il y a eu énormément de personnes à passer ici. Et qu'ils sont partis après ailleurs, quoi, tu vois. C'est un petit peu comme si on les avait stockés ici comme des bestiaux, ouais. Avant de les envoyer ailleurs. Ouais. Je pense que dans le lot, il y a eu effectivement des tortures, il y a eu des crimes, des meurtres, enfin, tu vois, c'est quand même lourd. Ouais. Mais effectivement, oui, dans un lieu comme ça, tu vas avoir énormément de choses, mais. C'est vrai que là, c'est tellement fort, quoi. L'homme qui est là, c'est une entité intelligente. Hein. On peut avoir une interaction avec lui, donc c'est une interaction, c'est une entité intelligente. Et la femme qui est au deuxième étage, ça, c'est une entité intelligente aussi. Alors, est-ce que c'est pas lié, tu vois ? D'accord. Raymond, dans la chambre, c'est une entité intelligente. Et la dame qui est en bas dans le fauteuil, c'est aussi une entité intelligente. Donc, en fait, il y a quatre entités intelligentes. Oh, truc de fou. Et autrement, c'est du résiduel. Alors après, je... Non, mais c'est un truc de fou parce que là, tu le savais pas. Mais quand on a fait la séance de guéridon, bah du coup, je le dis à Elisabeth en direct. Et je vous jure, les amis, je l'ai pas... elle le savait pas. Attends, parce que si tu me fous les jetons, moi j'allume. Non, je vais pas te foutre les jetons. Tu vas encore me sortir un truc pas possible. Non. Depuis que tu t'attends. Depuis ce soir, 21h. Tout, à chaque fois, tu me dis, ah ouais, tiens, en fait, je t'ai pas dit. Non. Ah, mais non, mais attends, ah oui, tu savais pas. Ah, non, mais parce que j'ai. En fait, je n'ai rien dit à Elisabeth sur ce qu'on avait eu comme résultat parce que je n'ai pas voulu l'influencer. C'est pas du tout une mise à l'épreuve. Hein. C'est pas du tout ça, je le prends pas comme ça. Voilà. Mais attends, on était d'accord sur le principe. Voilà. Que je voulais rien savoir. Elle voulait rien savoir, en fait, sur le lieu. Pour être neutre, le plus neutre possible, pour pas que je sois influencée. C'est voilà. Comme la prochaine enquête, bah, c'est pareil, je connais rien. Voilà, exactement. Je veux rien savoir. Voilà. Donc forcément, je savais pas. Donc maintenant, c'est quoi l'histoire du guéridon ? Ben, l'histoire, c'est qu'on a fait une séance de guéridon. Bon, après, je vais pas tout te dire, il y a des trucs que non, je vais pas dire. Voilà. Mais là, par rapport au fait que tu dises quatre entités, quand on a fait la séance de guéridon, ça nous a dit clairement qu'il y avait quatre entités dans ce lieu. Bah oui, bah je suis d'accord avec ton guéridon. Ça va mieux parce que tu sais, le fait qu'il me montre la scène... Ouais.
Tu sais, c'est un petit peu comme un microfilm qu'on te branche là, et puis tu vois la scène, clac, clac, clac. Et là, je le revois devant la fenêtre, en fait. Il bouge pas, il est immobile, il a les mains dans le dos, il regarde dehors. Mais tu vois, il n'y a pas la menace qu'il y avait au début, quand on est arrivé. D'accord, donc là, le flic qui t'a montré vraiment la scène, ça va mieux, quoi. La scène, je... Il y a eu un boom, là. J'ai entendu aussi. Ça avait l'air de venir du haut. On est où ? On est au premier, là ? On est au premier, ouais. Ok. Donc, ouais, il y a l'étage au-dessus. On a la cage d'escalier, peut-être ? Ouais. C'est où ? C'est là ? C'est là. Merde. Toujours sur... Même si tu l'as, si t'as vu la cage d'escalier trois fois, à chaque fois que tu rentres dans le hall, t'as toujours ce... cet escalier massif là, ouais. qui en impose. Bah, il en impose, hein. Ouais, c'est vrai, hein. Franchement, ça, c'est vraiment super imposant. Je sais pas si on s'en rend compte en vidéo, mais c'est vrai que. C'est incroyable. Les marches, ouais, elles sont. Elles font quoi? Elles font 120, quoi. Ouais, ouais, ouais. 120, 130 cm de large. C'est super imposant. Y a quelqu'un ici? Pouvez-vous vous manifester maintenant, s'il vous plaît? Faire un bruit ou autre chose? Et oui, ce que je t'ai pas dit aussi, c'est que du coup, devant le château, il y a une stèle. Que je t'ai pas encore dit. Ils ont fait une stèle commémorative en hommage aux personnes qui sont parties ici, qui ont été enfermées ici. Ouais. Tu me parlais de la stèle et j'ai le prénom David qui vient. D'accord. Donc là, on se trouve au rez-de-chaussée. On va essayer de faire une séance de spirit box tout à l'heure. Là, pour l'instant, on va essayer d'être attentif au bruit et de voir du coup si il peut se passer des choses dans l'environnement. Et c'est ici aussi qu'on avait fait donc notre séance de guéridon avec Johanna et où on avait eu donc des réponses assez troublantes. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ici dans cette pièce? Rejoignez-nous ici s'il vous plaît. Ouais, donc du coup, je vais te raconter ce qu'on a eu, parce que ouais, j'aimerais en fait interpeller l'entité. Enfin, après, je ne peux pas affirmer que on soit bel et bien rentré en contact avec une entité via le guéridon. Voilà, moi, mon avis sur le guéridon, c'est toujours très tranché. Je ne sais pas si c'est réellement paranormal ou si c'est notre inconscient. En tous les cas, ce qui est bizarre, c'est que du coup, donc le Spirit Voice nous a dit écriture automatique. J'ai eu la sensation qu'on devait faire ça, alors que moi je ne fais jamais ça, donc je me suis lancé dans une séance d'écriture automatique dans la pièce juste à côté là. Et donc j'ai senti, j'ai même pas senti ma main partir en fait. C'est après quand j'ai ouvert les yeux que j'ai vu que ça avait écrit ça. Mais et donc ça pour le coup c'est vraiment, ça peut être de l'inconscient, mais bon en tout cas c'était certainement pas volontaire, ça c'est sûr. Et j'avais les yeux fermés, donc je vois pas comment j'aurais pu écrire un prénom comme ça. Fin... Et en fait, sur le papier, c'était marqué Yves. C'était marqué Yves, mais clairement, c'est clair. Hein, tu verras dans la vidéo, parce que oui, je rappelle que la vidéo n'est pas encore sortie quand on est... Voilà, donc Elisabeth n'a pas vu. Et donc, c'était marqué Yves. Et après, donc, quand on a fait le guéridon... C'était cette entité-là qui, quand on a demandé son prénom, ça nous a dit Yves. Et apparemment, c'était un enfant qui avait 11 ans. Qui avait 11 ans, qui faisait partie des 52 enfants qui ont été enfermés ici, des Juifs, et qui avait 11 ans et qui a été déporté en Allemagne et tué, quoi. Voilà. Et il nous disait s'appeler Yves. D'accord. Voilà. Et sur la plaque, tu disais que dehors, il y avait une stèle. Il n'y a pas les noms, non. Voilà, justement, j'ai essayé de faire des recherches, je n'ai pas trouvé... Et puis après, tu sais, dans ces cas-là, tu as aussi tout ce qu'on ne sait pas, en fait. Mm. Tout ce qui...
C'est ça. Parce que c'est déclaré il y a eu tant. Ouais. Peut-être que dans la réalité, en fait, il y a eu d'autres. C'est ça. Donc, tu vois, voilà, je sais pas si toi, tu peux réussir à ressentir... Un enfant ici. Enfin, cette entité-là. Après, voilà, encore une fois, je ne peux pas affirmer que c'était vraiment une entité, mais c'est vrai que je trouve ça troublant entre le mot écriture automatique. C'est vrai que j'ai senti au plus profond de moi que je devais faire ça comme si on me le demandait, et que ça écrive comme ça ce prénom, je trouve ça fou, quoi. Et après qu'on ait fait cette séance de guéridon et que ça nous dise toutes ces informations-là, ben justement qu'il y avait quatre entités, qui s'appelle Yves, qu'il avait 11 ans, qu'il avait été enfermé ici. Il t'a dit où ? Est-ce qu'il avait été enfermé ? Non. Non. Après, avec le guéridon, c'est pas évident. Depuis ouais, c'est pas évident. Ouais. Oui, non, quoi. Mmh. C'est ça. Ben, tu vois, moi ici, c'est plutôt féminin. C'est plutôt des énergies. Qui sont c'est assez doux, en fait, pour le coup, c'est pas la même chose. Je vais essayer d'interpeller un petit peu, et puis on va faire la spirit box juste après. Yves, alors je ne sais pas, donc s'il y a un Yves ici, nous sommes je suis venu avec donc Johanna, je ne sais pas si vous vous rappelez. J'avais fait une séance donc d'écriture automatique. J'avais pris une feuille et un stylo, et j'avais eu la surprise de découvrir qu'il était marqué donc sur cette feuille Yves. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'en ai conclu, puisque c'est vrai que c'était assez clair. Et apparemment, donc tu avais interagit avec nous, avec le guéridon, la table. Je ne sais pas si tu te rappelles. On avait promis avec Johanna de déposer des fleurs sur la stèle. Tu nous avais dit que ça te ferait plaisir. Et on l'a fait. On a déposé des fleurs sur cette stèle, donc... J'espère que ça t'a fait plaisir, et que ça a fait plaisir aux personnes qui ont été enfermées ici et ensuite déportées. Oui, parce que c'est vrai que j'avais oublié de te dire aussi, on a déposé des fleurs avec Johanna. Je sais pas si t'es arrivé à avoir un ressenti là-dessus. Moi, je suis partie sur autre chose. Ah, t'es partie sur autre chose, ok. En fait, je suis en train de capter des allées-venues de soldats allemands. Là, je suis en plein milieu de la guerre. C'est un peu comme si c'est comme si on avait fait des pièges. C'est comme si on avait piégé des gens. Ouais. C'est comme s'il y avait eu, je sais pas si t'as creusé dans l'histoire, mais c'est un petit peu comme s'il y avait eu toute une histoire. On avait piégé des gens pour leur faire croire certainement des faux passeurs, tu sais. Peut-être qu'il y avait eu une histoire de passer des gens, et qu'en fait les gens ont cru qu'ils allaient pouvoir échapper aux Allemands. D'accord. Et en fait, pas du tout. Ils se sont fait. C'était un piège, en fait. D'accord, ah ouais, donc c'était malsain, quoi. Tout un piège, parce que j'ai un soldat, en fait, et j'arrête pas de voir le même. C'est pas celui d'en haut, c'est un autre. Parce que ici, en fait, c'est comme si c'était un bureau aussi, parce que tout est transformé, en fait. Ah, c'est comme un bureau ici ? Ouais, ici c'est comme un bureau. Je vois des cartes sur les murs. Ici c'est fermé, en fait. Là, c'est fermé. D'accord. Il n'y a pas de porte. Et j'ai un bureau qui est ici, là, derrière moi. À mon niveau, à moi, en fait, il y a un grand bureau. C'est comme si on venait lui dire que le piège qu'ils avaient voulu former a réussi, parce qu'ils ont réussi à avoir je sais pas combien de personnes, quoi. Ouais, bah 172. C'est énorme, quand même. Mais je sais pas si c'est... tu sais, c'est comme si c'était un... On dit qu'il y a la résistance, tu vois, pendant la guerre, mais c'est comme si on avait
comme si on avait organisé un passage massif de gens. Ils y ont cru. Et en fait, ils sont arrivés ici, ils étaient foutus. Alors, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'en médiumnité, même si cette personne, elle parle allemand, elle va parler la langue allemande, mais c'est un petit peu comme si j'avais la... Tu sais, c'est un peu comme quand tu regardes un film en allemand, en fait, t'as pas le doublage, tu parles pas forcément la langue, mais tu comprends quand même, tu comprends avec des images, t'arrives à comprendre. D'accord. Moi, je parle pas du tout un mot d'allemand. Mais par contre, les flashs qui me montrent, en fait, c'est comme si tu arrivais à assembler l'histoire. Et là, il y a un homme qui arrive en disant que ceux qui ont participé à ça se sont rendus compte aussi qu'ils s'étaient fait piéger, finalement. Okay. Et le soldat leur répond, vous n'avez qu'à les pendre. Et ils ont été pendus dehors, dans les arbres. C'est pour ça, tout à l'heure, tu vois, quand on est arrivé, il y avait du bruit dehors. Mais qui a été pendu dans les arbres ? Bah les... Des gens. Des Français, certainement, qui ont dû participer à cette opération-là en pensant qu'ils allaient sauver des Juifs. Et en fait, ils n'ont pas du tout sauvé des Juifs, ils les ont livrés. Ouais. Tu vois, il y a un faux coup comme ça, il y a un truc qui n'est pas clair. Et du coup, les Français qui ont dû savoir ça, qui s'étaient fait avoir, c'est comme s'ils avaient voulu... se rebeller un petit peu, quoi, en se disant non, c'est pas possible, on n'a pas fait ça. Et le soldat répond, il me montre en fait la pendaison des hommes qui ont été pendus dans les arbres. Ah, mais c'est horrible. Mais en fait, moi je pense que ici, je peux même pas te dire, tu vois, combien il y a eu de gens qui ont été tués dans cette maison. Ouais, c'est beaucoup, quoi. T'as l'impression que, tu sais, si un jour on rasait ça, et ben pour les fouilles, ils vont trouver des choses. C'est peut-être pour ça aussi que ça se vend pas, qu'il y a rien. C'est peut-être aussi un peu maudit, et, parce que c'est bizarre. C'est spé, hein, quand même. Hein. Y a des gens qui ont été tués dans la cave, mais on va faire un hôtel dessus, et puis ni vu ni connu. Bon, après, la guerre, carrément, enfin, si tu regardes dans l'histoire, t'as plein de lieux comme ça qui ont été marqués, mais à ce point-là, c'est quand même... On n'y va pas... Ouais, ici, c'est fort, quand même. C'est fort, quoi. Et puis t'as l'impression que dans toutes les pièces... Et en même temps, t'as l'impression que c'est encore... c'est habité, quoi. T'as une empreinte, en fait, énergétique très forte. Très, très forte. Je vais allumer la spirit box, maintenant. Et là, ce Yves, du coup, t'as pas de... T'as pas sur... Tu vois... Dommage. Parce que c'est vrai que ça m'a beaucoup perturbé. Alors j'allumais donc la spirit box, on va voir. Est-ce qu'une entité est avec nous et souhaiterait donc nous parler ? Est-ce que vous êtes avec nous, s'il vous plaît ? Dites-nous oui si vous êtes là. Cette séance de Spirit Box ne donnera malheureusement aucun résultat. Par contre, avant de conclure cette exploration paranormale, je dois absolument vous faire part du fruit des recherches qu'a mené un abonné gracieusement à la suite du visionnage de l'épisode. Nous sommes le 2 septembre et je reçois un mail d'Alex. Salut Johanna, salut Rémi. Hier soir, on a visualisé avec madame votre dernière enquête. À la fois touchante et effrayante, on a passé un très bon moment devant. Bravo à vous. En faisant un arrêt sur image, sur une vue aérienne du drone, j'ai vu qu'il s'agissait du château de... avec les tristes événements qui s'y sont déroulés pendant l'été 1942, le 26 août notamment. À l'issue de la vidéo, je me suis dit que vous étiez parvenu à recueillir pas mal d'informations bien précises sur cette entité avec qui vous êtes entré en contact lors de la séance de guéridon. Prénom Yves, âge 11 ans, décédé en 1942, n'est pas décédé dans le château. En farfouillant sur Google, je suis tombé sur quelques pages qui pourraient vous intéresser, car tout concorde. Et en effet, en prenant connaissance des documents qu'il m'a envoyés en pièce jointe, je vais découvrir des informations qui vont me faire froid dans le dos. Par souci de confidentialité, je ne pourrai malheureusement pas vous divulguer l'intégralité de ces archives. Mais dans une lettre écrite par un certain Pierre, en rapport avec le judaïsme, nous pouvons en apprendre davantage sur un couple que je vais appeler Françoise et David.
Entre ces lignes, nous apprenons entre autres qu'ils ont eu ensemble deux enfants, Monique et Yves. Et qu'en 1942, David, sa femme et ses deux enfants, âgés alors de 7 ans pour Monique et de 11 ans pour Yves, seront enfermés dans le château de Mononquête avant d'être déportés et tués à Auschwitz. Je vais même découvrir la photo d'Yves qui pose à côté de sa sœur sur cette photo en noir et blanc. Autant vous dire que je suis encore sous le choc après la découverte de toutes ces informations qui concordent en tout point avec les réponses que nous avons obtenues lors de notre enquête. L'écriture automatique, le guéridon, tout correspond, c'est incroyable. Je suis impatient une nouvelle fois d'avoir vos réactions dans l'espace commentaire, mais il est certain que cette enquête nous a encore plus bouleversés après ces découvertes. Même si Yves ne semblait pas présent ce soir, et même si aucun contact n'a visiblement pu être établi avec lui par l'intermédiaire d'Elisabeth, soyez certains que nous ferons tout notre possible pour l'aider du mieux que l'on peut. Et je remercie encore grandement Alex et vous tous qui êtes de plus en plus nombreux à nous envoyer des mails pour nous aider. Vous êtes incroyables, merci à tous. Par contre Rémi, juste avant de partir, j'ai envie de vérifier quand même un truc. Ouais. Tu vois, regarde. Tu vois, tout à l'heure, là, quand j'ai eu, quand on est arrivé, tu vois, j'ai entendu du bruit et c'était par là. Et tout à l'heure, alors je me repère pas du tout par rapport au bâtiment, peut-être que toi tu te repéreras, mais tu vois quand on était dans la chambre, ouais, où j'ai vu le soldat là, oui, qui était pas bien. Oui. En fait il me parlait d'hommes qui ont été pendus dans un arbre, dans le pignon de la maison. Ouais. Et tu vois, regarde, en fait, quand t'arrives, t'as l'arbre là, ouais, t'as vu la taille? Ouais, il est immense. Eh ben, je pense que là-dedans, il y a des gens qui ont dû être pendus. D'accord, tu penses que c'est dans celui-ci? Ouais, je pense que c'est ça. Ouais, effectivement, il est grand. Hein. Ça se voit qu'il est, il est pas de la première jeunesse. Ouais, donc ça correspondrait à... C'est terrible, hein, n'empêche, quand tu... Ça correspondrait à ce que tu as ressenti? Bah, je pense que le premier truc que j'ai senti, en fait, quand on est arrivé, c'était du bruit là-bas. D'accord. Et je pense que c'était ça. Ok. Tu vois, regarde. Ah. Tout à l'heure, quand on était dans la cave. Ouais. Tu vois, il y avait une porte. Je t'ai dit. Que j'avais l'impression que je voyais comme si on envoyait des corps là. Et tu sais qu'on les roulait pour les envoyer à la cave. Ouais. Tu te souviens? Bah, je pense que c'est l'entrée là. Je D'accord, celle-ci là. Ok. Ouais, parce qu'il y en a plusieurs, effectivement. Mais ouais, mais moi, c'est toi, c'est celle-ci que tu ressens. Donc ça serait celle-ci. Ouais, pour moi, c'est là, tu vois. On les a fait rentrer par là. D'accord. Et on les a... Toi... C'est vrai que l'arbre là il est immense. Hein. Ah, il est immense. T'as vu un peu? Eh ben, dis donc. On va bien dormir, hein? Bon, petite conclusion, du coup, Elisabeth, t'en as pensé quoi en résumé du lieu? Résumé du lieu, écoute, un lieu magnifique déjà. Ouais. Le lieu est vraiment très très beau. Il est quand même dans un état quand même qui est assez, assez impressionnant vu la structure et vu l'âge du bâtiment. Certainement, il faut quand même reconnaître que c'est une très belle bâtisse. Mmh. Maintenant, je pense que son histoire est bouleversante. Totalement. Et elle nous a bouleversés à nous aussi. Enfin, moi, ça m'a bouleversée. Mmh. Il va falloir qu'on enchaîne après sur autre chose. Mais c'est vrai que c'est un lieu qui a beaucoup souffert, ouais, et qui est très marqué de son histoire. Alors je pense qu'on a eu certainement des petits moments de panique. Ouais. En tout cas, moi, j'ai eu des moments d'inconfort. Mais j'ai l'impression quand même qu'on n'a pas cherché à nous faire trop peur. Mmh. Donc il y avait quand même une certaine forme de bienveillance dans les énergies qu'on a pu croiser. Par contre, j'ai la sensation qu'on a été accompagnés toute la soirée. Ouais, ouais, il y avait ouais. du monde avec nous, partout autour de nous. Donc une enquête super riche en ressentis et puis
certainement au résultat, j'espère. Bon, bah, en tout cas, c'était cool. Merci d'avoir accepté, en tout cas, avec plaisir, de m'accompagner sur ce lieu, parce que bah, je sais que c'était pas forcément évident, un lieu très chargé d'histoire. Donc, merci beaucoup. Avec plaisir. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et quant à nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures, et de prochaines aventures d'ailleurs avec Elisabeth. C'est ça. Puisque demain, on repart en tournage avec Elisabeth. C'est ça, on n'a pas fini. On n'a pas fini. Encore de nouvelles aventures. D'ailleurs, que vous découvrirez très bientôt sur la chaîne, donc restez connectés. Merci à tous, n'oubliez pas de liker, partager, commenter, et surtout, vous abonner. À très vite. Ciao, ciao.